Moi j'y suis déjà. Nous allons épouser les rangs droits, trois contre trois droits sur le bord de la route. Pour recruter les terrasses, et de travailler, et de vivre au pays, nous servons pour la violence. On va passer là. Par-dessus, hein. Par-dessus. Comment c'est aimé ? Bonjour. Est-ce que le film... Attends, Mona Lisa, attends. Ça. C'est pas un problème. Où vous allez? Elle est. Qu'est-ce que vous... Où vous allez? Je comprends bien le français. Ils accueillent les cyclistes. Ils vont accueillir les champ pour accueillir les cyclistes. Ils sont venus pour décider. Hop là, caméra. C'est pour quelle télé? Alors, qu'est-ce que vous faites là? Non, je suis sur la route, attendre l'Altertour. Voilà, qui devrait pas tarder à arriver normalement. Ici, les paysans de l'environnement ici d'Auprès ne sont pas là. Où ils vont être là dimanche peut-être? Non, c'est fini ce soir. Oui, et donc ils ne sont pas venus. Ah, je ne sais pas. Si, il y a des gens du coup. Oui, il y a beaucoup, mais ceux qui travaillent, parce qu'ils travaillent, ne sont pas venus, c'est ça. Bah, celui qui a la parcelle hier, j'ai vu tout à l'heure. Oui, ouais. D'accord. C'est pourquoi vous filmez? J'ai vu qu'il y a les tracteurs aujourd'hui. Les mecs qui sont sur les fermes prises, ils sont là quand même. Oui. Ah, peut-être pas tous, mais... Oh, c'est la vache. Je regarde, mais je vois rien. Ah, une vache sur la route, ça y est. Allez. Ah, c'est foutu. C'est les vaches grises de la Vlanée, voilà. C'est où? Bouge pas. Vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez pas le temps de venir. Les couleurs, les vaches. C'est ça, les couleurs, non? C'est sûr, quand on parle avec des gens qui habitent sur Nantes, je comprends leur point de vue, puisqu'actuellement, ils souffrent beaucoup du survol direct des avions au-dessus de la ville. C'est un gros inconvénient, bien sûr, une grosse nuisance. Mais une étude a été faite prouvant qu'il est possible de changer le sens de la piste pour éviter justement ce survol direct de Nantes. Mm-hmm. Et c'est évident que c'est cette solution-là qu'il faut adopter plutôt que d'aller bétonner des hectares ici et de ne pas utiliser un aéroport dont on a agrandi en plus l'aérogare récemment et qui est vraiment loin d'être saturé comme certains veulent le dire.
Ce qui évitera donc le survol de Nantes. Oui. Les avions contourneront et il n'y aura plus de nuisances. Oui. Et donc, vous allez faire, c'est la prochaine action. Vous allez faire ça. Des oui, c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire que vous allez vous organiser pour demander ça au pouvoir public. L'étude a été faite, simplement M. Hérault ne semble pas très... très pressé pour étudier vraiment cette solution qui est la plus raisonnable dans le contexte actuel. La bouse de vache, ça sent bon. Et le kérosène, ça tue. Oui, je pense, oui, il n'y a pas de... Les enfants, devant ou derrière la cornemuse? Mais donc, en premier, c'est les cyclistes, non? En premier, c'est nous. Vous, et puis les cyclistes derrière. Ils arrivent. Hein. Bon, donc, alors, mettez-vous. Non, mais ils vont arriver. Donc, il y a quand même un... Thank you.
L'aéroport, non. Les cabins, oui. Alors soutenez, ils ont besoin de vous comme c'est pas possible. On peut plus supporter tous les habitants qui résistent ici. Soutenir les territoires. Salut Philippe. Gilles. C'est Gilles. Pourquoi je t'appelle Philippe? Je sais pas. Gilles. Allez. Ben, salut quand même. Salut quand même. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Montreuil au théâtre de la Gare. Libérez les piétons enfermés dans les avions. Plaisir, on accueille ici ce soir l'Altel Tour sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Parce que cet Altel Tour, pour la biodiversité, pour une planète non dopée, est allée sur toute la moitié nord de la France depuis le 4 juillet pour relier des citoyens, des lieux de lutte, bonjour, des gens qui essayent de construire autre chose. Ah, vas-y. Et donc, c'est vraiment tout un tas de luttes en France qui, par votre intermédiaire, se retrouve ici ce soir sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Donc, on est heureux de vous accueillir. Merci à vous. Merci pour ce que vous portez. Alors, sur le... parmi les gens qui sont là, moi, je propose quand même que Sylvain Fesneau vous dise un mot. C'est le paysan qui nous accueille ici sur son champ. Et voilà, dans le conseil général est propriétaire des terres. Donc, allez, à toi. Bonjour à nos amis cyclistes. Après ce magnifique sprint, enfin un peu bossé, hein, excusez-moi, c'est le paysan, là, faut lui dire que ça compte pas. Hein. Non, c'était, vous faites un travail exceptionnel, antidopage bien sûr, nous aussi on est antidopé. On est plutôt dopé contre la lutte contre l'aéroport actuellement. Donc je suis heureux, au nom du GAEC que je représente, de vous accueillir sur nos terrains. Que dire après, vous êtes fini le bitume, vive l'herbe. Bah, nous aussi on dit la même chose et que ça continue le plus longtemps possible. Bon courage à tout le monde et puis bonne soirée. Voilà, il y a les amis de la conf aussi. Cyclistes alters aux cyclistes alternatifs. Qui veut doper contre l'économie, qui veut doper contre l'agriculture, contre les citoyens. Eh bien, je pense que cette arrivée-là ne pouvait pas mieux tomber. Et on peut aussi espérer que votre arrivée, mais oh, je ne vais pas dire beaucoup, hein, parce qu'il faut aller boire un coup, faut désintérêt. Mais vraiment, ça ne pouvait pas mieux tomber, car cette lutte doit être renforcée, elle est exemplaire, de la même manière que l'Alter Tour est exemplaire. En tous les cas, merci à vous. Je dis bienvenue, bien je ne sois pas du coin, voilà. Et en tous les cas, nous allons continuer contre tous les dopages, y compris le dopage de l'économie par la finance libre. Bien. Alors, je profite que nous sommes tous rassemblés, mais je vous demanderai de faire passer le message. Nous avons décidé, avec la coordination et les agriculteurs du site, de lancer une sorte de poignée symbolique vers l'avenir, en vous demandant de repartir avec une poignée de grains de blé issus de Notre-Dame-des-Landes
que vous aurez le rôle de répondre à travers la France. Cette poignée symbolique sera aux deux sorties, à la sortie du camp climat et à la sortie de la zone de la semaine de résistance, dans des sacs. Vous aurez à prendre, en partant, une poignée que vous aurez à charge de répondre partout où vous irez. Donc ce symbole de la vie, vous en avez la charge. Ce sont les paysans de Notre-Dame-des-Landes qui vous les confient. Merci. C'est quand même d'arriver à transmettre un symbole relais sur combien ? 2500 km, on va dire. Le témoin du relais transporté sur 3500 km depuis Besançon. Oui, on peut augmenter un petit peu, c'est plus journalistique. Alors, cet Alter Tour, ça a été en fait un relais cycliste familial qui est destiné à aller à la rencontre des alternatives. En fait, on a deux modes d'action. On va essayer de mettre en valeur des personnes qui nous semblent mener des projets tout à fait intéressants et qui sont des alternatives à ce qui nous semble être un monde dopé, au sens large. Puisque le dopage, pour nous, ça n'est pas seulement quelque chose qui se limite au monde sportif. Le dopage ne se limite pas au monde sportif, ni au monde politique, puisqu'il semble que certains... Oui. Bon, ça va mieux comme ça ? Pas trop près. Mais si, 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 près, si, près. Au contraire. Bon. Comme ça, est-ce que c'est bon ? Voilà. Donc je reprends. En fait, c'est Alter Tour, donc c'est un rang des familles, des personnes de tous âges, de 7 à 77 ans. Et notre objectif, c'est de mettre en valeur des alternatives à ce qu'on considère être un monde dopé, donc dopage qui ne concerne pas seulement les sportifs, comme on le sait à l'occasion du Tour de France, mais ce dopage, ça concerne effectivement aussi, disons, le monde professionnel, voire même le monde politique. C'est un dopage qui concerne l'économie, qui concerne l'agriculture, qui concerne nos moyens de production énergétique et également nos moyens de transport. Alors notre objectif, ça a été de mettre en valeur ces différentes alternatives. On a créé comme un fil rouge entre ces différentes alternatives pendant 5 semaines. Mais c'est aussi de soutenir les personnes qui luttent contre des projets qui nous semblent d'un autre âge. C'est pour ça que nous sommes allés à Penly, pour soutenir nos amis de sortir du nucléaire. C'est pour ça que nous sommes allés à Saint-Jouin-Bruneval, pour soutenir ceux qui luttent contre un projet de port méthanier. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui avec vous, pour soutenir ceux qui luttent contre ce projet de second aéroport de Nantes. Et nous vous remercions beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé, qui nous va droit au cœur. Merci beaucoup à vous. Bravo. Un petit peu à la fin de la fête, mais je crois qu'elle va continuer, j'espère, tard encore, à l'occasion de notre présence. Je vais passer peut-être la parole à Mathieu Fromont, coordinateur de l'Alter Tour 2009. Bonjour à tous. Donc, on est content d'arriver. En même temps, on est content d'arriver et d'avoir l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Mais en même temps, on est un peu triste que l'Alter Tour s'arrête aujourd'hui. Parce que pour certains d'entre nous, ça fait 5 semaines qu'on est sur des vélos. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. On a fait d'énormes rencontres, notamment avec Gilles-Éric Serralini, avec tous les agriculteurs qu'on a rencontrés, les personnes qui proposent énormément d'alternatives. Et on s'est rendu compte que sur notre parcours, tous les 60 km, on avait une alternative. Les alternatives existent, vous en avez tous conscience. Je pense que... Oui. Vous êtes tous au courant que les alternatives existent. Maintenant, il va falloir les relier tous ensemble pour qu'elles changent le monde. On est tous conscients que le problème, il est global et qu'il faut se battre contre l'agriculture de paix, contre l'économie de paix, contre contre les problèmes d'emploi. Et il faudra vraiment rallier toutes ces luttes. C'est vraiment super, super important. Et avant qu'on aille tous boire un verre, tous ensemble, je voudrais vous demander de faire un dernier acte de solidarité. Je sais que vous êtes capables d'en faire plein, mais on a un véhicule qui est avec nous. C'est le véhicule qui transporte toutes nos affaires et les vélos, qui est en panne. Il est en panne à quelques mètres d'ici, le moteur a lâché, enfin on ne sait pas ce qu'il a lâché, mais il y a de la fumée de partout.
Donc on pourrait peut-être faire une grande chaîne humaine pour aller le pousser et le ramener jusqu'ici tous ensemble. Un petit les frères de cet événement. Merci. C'est un bon impôt et puis il y a une remontée. Vous allez manger, c'est deux côtés. Magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique. Il y a une yourte là-bas extraordinaire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les objecteurs de plaisance. Oh. Ce bébé est quand même tenu une semaine. Hein. Il est... Je suis allé pas muni. Oh là là, la crème. Merci. Tu es un habitant qui résiste pas aussi. L'habitant d'ici, c'est les références de. C'est les références du 44. Toi, tu habites la Chapelle-sur-Erre, c'est ça? D'accord. Elle est la deuxième à avoir mis son nom sur une pétition. Qui maintenant circule partout ici dans le camp Action Climat qui se trouve ici à Notre-Dame-des-Landes sur le territoire du projet d'aéroport qui est en pointillé depuis une quarantaine d'années et pour lequel des habitants d'abord locaux et puis de plus en plus éloignés se battent et résistent. Alors, vous venez d'où? Juste à côté, là, à la Chapelle-sur-Erre. Oui. Et qu'est-ce que vous travaillez quelque chose? Vous faites quelque chose? Mon travail? Oui. Je suis couturière. Ah, il y en a un grand besoin. Bah oui, toujours toute la vie, hein. Continuer à s'habiller. Et toi? Madame est d'accord pour venir habiter le Alors territoire. Moi, je suis Julien Poirier. Qu'est-ce qu'il faut dire à la caméra? Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je suis encadrant technique sur un jardin d'insertion qui fait du maraîchage biologique. Oh. Il y a 7 personnes en insertion qui sont au RMI et qui sont sur le jardin pour une période de 1 an, renouvelable une fois. Et on cultive 40 légumes à peu près sur l'année, voilà, sur 4 hectares de terre. Est-ce que vous cultivez des courgettes? Oui, beaucoup. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, je vais les ramasser demain. Il y a tellement de courgettes cette année. Il va falloir les ramasser. Des jaunes, ouais. J'ai des jaunes et des verts. Foncés, des verts clairs. C'est un petit garçon qui va manger que du bio? Quasiment, je suis pas intégriste non plus. Oui. Je vais parfois à Super U, j'avoue. Ah oui. Mais beaucoup, quand même. Que des légumes bio, ça c'est sûr. Et où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Nous? Oui. Au collège. Au collège. En 6e, alors il y a longtemps. Oui. On a pas dormi en plus, c'est ça? On a même été héros, on a fait des choses ensemble. On a été vivre à La Réunion ensemble. On se connaît depuis longtemps. Je rêve d'aller 20 dormir. 20 ans. Combien? Donc vous avez 30 ans aujourd'hui, vous vous connaissez depuis 20 ans. C'est ça, pas loin, ouais. Pas loin de 20 ans. Ouais. C'est ça la fidélité. Quand on a des idées, on est fidèle. Mais on n'est pas... C'est le tonton de mon fils. Salut les chouchous, à bientôt. Vous passerez nous voir à Barret, un de ces quatre? Oui. Peut-être qu'on pourra arriver à Barret. Bonjour. Lui, il est venu nous invectiver hier. C'est vous? Comment il s'appelle le chien? C'est celle qu'on a déjà. Mais c'est tellement agréable de le revoir. Là, on a le gros trop jour là. Oui. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire, Maria? Je comprends rien. Elle est là. Avancez un petit peu, on saute comme des canons. C'est quand même.
système, lui, quand même. Je pense pas que ça soit homologué. C'est ces gens qui vivent dans... Dans des yurts. Non, 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 au fond de la forêt et qui se promènent tout nus. Alors, ils lui ont expliqué que c'était pas vraiment ça. D'ailleurs, ils se sont référés au site pour pouvoir en savoir plus. Ah bon, je me suis tombé en plus. Et elle a raccroché. Mais en plus, et en plus, pas aimable. Et en plus, pas aimable. Mais il paraît qu'il y a eu une émission sur la décroissance. Je vais te dire. Caricature. Oui, oui, totalement. À mort. Mais en plus, les journalistes, bon, là, ça va dans Libération. Mais s'il y a une race de gens que je déteste, c'est les journalistes. Ce sont des gens qui pensent avoir tous les droits parce que. On ne peut pas dire que les gens pas suffisamment jeunes sont des grands poètes. Hein. Non, on ne peut pas dire parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il faut regarder le soleil qui se couche. Ah si, on l'a regardé tout à l'heure. Non, mais eux, ils ne regardent pas, regardent ce qu'ils font. Je raconte des histoires belges. C'est beau. 10 euros balles. 10 euros balles. Yes. Bien. Allez, c'est reparti. Allez. Comment 14. Regarde. Ce aéroport qu'on niquait. Voilà. À l'autre soir, il y avait un correction climat. Enfin, un truc off derrière dans la chambre. C'était des gros. Des gros. Et même les journalistes musicaux, donc pas dans un milieu excessivement porteur sur le plan financier, mais déjà là, là il y a du capital symbolique à prendre. Alors. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une course au capital symbolique. Oui, bien sûr. Le soleil qui se couche, il pleut chez moi. Il pleut chez moi. Et il y a les arbres. Maria veut faire veut qu'on passe un vœu quand le soleil se couche. Ça y est. Ça y est. Ah oui, ça y est. Ça y est. Ça y est, Maria. On a vu la réserve. Oh. Ça va. Juste une lune pour dire que demain c'est notre jour. Demain ça va être notre jour. Plein d'escargots. Non, il faut aller un peu plus loin, mais on a déjà gagné. On est au cœur de la société. On a mis nos idées, elles sont au cœur de la société. Elles sont là. Que penses-tu de la royauté comme concept? Merci. Non, ça va pas au... Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Non, mais la laine, en fait. Mais le déficit, c'est pas mon cher. Tu me dis dans son poste, c'est ça qui me. Donc, on va se.
de toutes les canalisations. Les écoulements, sûrement. Et les... Il faisait déjà du côté du château des Ducs de Bretagne l'année dernière. Comment vous avez décidé de partir comme ça, toutes les deux, en voyage, sans jamais vous arrêter longtemps, quelque part? Ah, moi, je l'ai toujours fait. Ah oui. Oui, j'ai toujours voyagé comme ça, en France, et toute seule, ou avec ma sœur au début. J'avais une sœur, elle est décédée prématurément, malheureusement. Elle s'est mariée, elle a des enfants. Moi, non, je ne me suis pas mariée. Et j'ai toujours voyagé. Après, j'ai fait des voyages à l'étranger avec une association ou avec des amis. Toujours comme ça, avec sac à dos, tente. Donc, c'est toi, Michel, qui est la grande voyageuse. Oui. Voilà. Et Marie? Et Marie, elle ne connaît pas beaucoup la France. Non. Et voilà. Et puis, ben, depuis 2 ans, je voyage avec Michel beaucoup. En camping. En camping. Et j'apprends à découvrir la France et beaucoup d'autres choses. Elle avait peur de ne pas supporter le camping parce qu'elle avait des gros problèmes de dos, de jambes, de santé. Elle a eu un accident aux vertèbres. Et son médecin, qui est mon médecin aussi, c'est un médecin commun, il n'en revient pas qu'elle se soit mise au camping et qu'elle dorme sur un petit matelas au dos gonflant. Il n'en revient pas. Il est... Comme quoi, le fait de bouger, de s'éclater un petit peu, à se balader. On est dans la bonne route. Quatre cachets de doliprane. Ah, t'as pas vu la fumée qui fait? Oui. Oh, quatre cachets pour le dos et les jambes. Et depuis que je fais du camping, plus de médicaments du tout pour ça. Vraiment complètement changé, quoi. Cœur de ville. Et puis, ben, je me sens très bien. Je me sens bien. Et puis, ben, tout va bien. Moralement? Moralement, physiquement. Et puis, puis de ce fait-là, j'ai changé de vie. Je discute beaucoup. Amis. Des nouveaux amis, oui. Et puis, une habitude de réécouter et de rediscuter, ce que je n'avais pas avant. Et participer un peu plus à une vie un peu politique, un peu plus maintenant qu'avant. Politique entre... Beaucoup plus. Beaucoup plus, oui. Beaucoup plus, c'était quasiment rien maintenant, avant, et maintenant nettement plus. Et ça me convient parfaitement. Voilà. Salut. Oui. Oui. Je ne sais pas. Oui. Donc, si c'est marqué parking de la gare sur les flèches qui sont là juste en face, c'est bon. Sinon, il faut faire le tour du rond-point. Voilà, parking gare SNCF. Donc, c'est un peu marqué à côté. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est à Garneur ou. La Garneur et Garfield sur Garde ici de côté. Il est immense ce château. Mm-hmm. Et il est pentagonal. Il y a 5. Il doit y avoir 5 tours en tout, mais pas régulier. Les objecteurs de croissance. Oui, mais je l'ai expliqué à l'arrêt. Non, j'aime pas, franchement. Ouais, c'est très rococo. C'est un style très rococo. C'était l'ancienne fabrique de biscuiterie. L'ancienne fabrique de biscuiterie. Oui, oui. Lu. Oui. Et ils ont fait un musée dedans. Ah bon, toutes les usines vont être des musées maintenant. Oui. 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 Et donc, dans tes voyages, tu rencontres toujours des... Des gens, oui. Oui, forcément. En camping et à se balader, à marcher dans les rues, on rencontre toujours des tas de gens. Oui. Mm-hmm. Les deux voyageuses. À une prochaine. On ne sait pas quand. Oui, à la prochaine. À la prochaine. Ça va aller, de porter tous tes bagages tout le long du chemin. Et tu faisais quoi avant quand tu travaillais?
J'étais enseignante, je crois qu'on gêne la circulation. J'étais enseignante, j'étais institutrice, des longues vacances et j'en profitais pour voyager et rencontrer des gens. Voilà.